Faites entrer les accusés. C'est désormais ici, dans ce bâtiment construit à l'ombre de l'arbre à palabre, que se tiendront désormais les audiences du tribunal coutumier de Sakassou, un tribunal de dernier recours après les tribunaux du village, de la tribu et du canton. C'est quand ils n'ont pas la solution qu'il faut qu'on fait le transfert à ce tribunal royal, qui est le tribunal central du royaume, qui va être tranché en dernier ressort. Voilà comment fonctionnent nos tribunaux. Le président de la République Alassane Ouattara, qui entend renforcer l'autorité des chefs traditionnels par l'adoption d'un statut pour ses gardiens de nos us et coutumes, a inauguré sous une forte pluie le tribunal coutumier de Sakassou. Paul Akoto Yao, illustre fils de la région, a exprimé la gratitude du peuple Walebo au président de la République Alassane Ouattara pour ce geste riche en symboles. Vous avez saisi ce qui était essentiel pour ce village, modeste mais significatif. Cet arbre est à la fois mythique et mystique. Et la justice qui se tient sous cet arbre se fait sous l'inspiration des mains de nos ancêtres. Nous sommes arrivés ici comme aboutissement de notre exode. La reine qui est partie du Ghana à la suite d'une guerre est venue trouver des gens qui habitaient cette région, nos frères Gouro et nos frères Senoufou. C'est par son esprit de justice, par la cohabitation pacifique avec tous, que nous avons pu nous entendre avec nos frères. Et je vous signalerai que la cour royale de Sakassou était en liaison permanente avec la cour de Gonkulibali et la cour de Kong. J'ai vécu ces réalités-là auprès de mon père. Donc, vous êtes bien fils de cette région puisque vous avez saisi ce qui était essentiel pour notre peuple. Vous avez vu juste et nous vous disons ce que nous avons dit à Félix Houphouët-Boigny ici lorsqu'il est venu en 1944 solliciter la permission du roi Anoumblé pour qu'il lui accorde la bénédiction de la reine Aprapoku. Nous vous disons que nous vous donnons la même onction, la même bénédiction. Le peuple baoulé vous a accordé sa voix avec son cœur. Et nous savons qu'en retour, vous avez accepté ce peuple avec votre cœur. Mais lorsque nous avons fait ce geste, nous entendons en retour que nous puissions, non pas tellement le retour matériel ou financier, mais que nous puissions nous retrouver dans le cadre de cette réconciliation et de cette recherche permanente de la paix qui a été le leitmotiv de Félix Houphouët-Boigny. Au nom du chef de l'État, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, a remercié les chefs traditionnels et les populations pour cet accueil enthousiaste. Le président Alassane Ouattara, comme vous le savez, est un disciple du président Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, plus que sa vision de développement, son engagement principal, c'est de reconstruire la paix entre les Ivoiriens, le vivre ensemble. Et je crois qu'aujourd'hui, vous avez, dans des mots très forts, dit que cette construction à côté de cet arbre centenaire donne une force à ce peuple-là dans tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire depuis l'époque du président Houphouët-Boigny. Et aujourd'hui encore, vous lui accordez votre bénédiction pour cette grande aventure pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Donc avec le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement, je voudrais en son nom vous dire merci. Dis merci à tous les chefs pour leurs prières et bénédictions. Les chefs traditionnels du Walebo ont offert au président de la République Alassane Ouattara un tableau représentant les images du dernier jugement du tribunal coutumier sous l'arbre à palabre, un arbre centenaire et qui est le chêne du royaume baoulé.